dissolution d'une espèce moléculaire. Lorsqu'on réalise une solution aqueuse, le soluté peut être un solide ionique ou un composé moléculaire. Par exemple, le sel est un solide ionique et le sucre est un composé moléculaire. Le saccharose est un composé moléculaire. Le sucre est constitué de molécules organisées dans le solide. La solution obtenue par dissolution du sucre dans l'eau donne de l'eau sucrée, appelée solution aqueuse de saccharose. Le solvant est l'eau, le soluté est le saccharose. Voici le sucre solide, le saccharose, et la solution aqueuse de saccharose. Au niveau microscopique, les molécules du solide se dispersent parmi les molécules d'eau du solvant. Pour vérifier si la solution conduit ou non le courant, on réalise un circuit contenant en série un générateur de tension, une lampe et deux lames métalliques plongeant dans la solution. La lampe ne s'allume pas, le courant électrique ne passe pas, la solution ne conduit pas le courant. Une solution qui contient un soluté moléculaire ne conduit pas le courant.